Généralement, je travaille sur deux grandes lignes. La première ligne, c'est un travail sur des thèmes de société. La deuxième grande ligne, c'est un travail esthétique au niveau de la couleur et de la composition. Cette œuvre, qui est un hommage à Joël Bishka, qui est une amie qu'on a perdue cette année et qui aimait beaucoup le continent africain. Et c'est presque pour moi un pont entre l'Afrique et l'Europe. L'humanité vient de traverser une période trouble à travers cette pandémie. Les œuvres d'Abdoulaye racontent cette traversée et racontent surtout la sortie du tunnel.